n'importe quoi. Respectez le plan de jeu. Son défaut. On va dire que. Ouais, qui des fois il est peut-être un peu trop gueulard, quoi. On est pris plein la gueule, genre. Non, ben oui, oui, ben de toute façon, je veux dire, à ce niveau-là, forcément, on se fait engueuler au moins une fois, puisque la perfection, ça n'existe pas. C'est dans ces moments-là qu'il faut pas prendre le but. Oh ! C'est dans ces moments-là qu'il faut pas prendre le but. Sous ses airs de dur à cuire, Olivier Krombols, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball, est surtout un homme passionné par son sport, mais aussi par ses dames. Quand je vois une joueuse, je vois toujours ce que je peux apporter par rapport à sa technique. Il y a un vrai parcours collectif, mais il y a un vrai parcours individuel. On essaye aussi de connaître la fille, d'avancer en la respectant et de faire toujours la part des choses entre la joueuse. Et la personne, être peut-être très dur par moment avec la joueuse, mais toujours avoir respecté la personne et avoir une certaine complicité avec elle. Olivier Krombols, c'est un homme qui sait se faire entendre et comprendre surtout. À la tête des Bleus depuis 13 ans, sa méthode fonctionne. Deux fois vice-championne du monde, ses filles sont allées arracher le titre suprême en 2003, après une victoire en prolongation face à la Hongrie. Depuis qu'il est là, il y a eu des résultats. Et puis il a une conviction par rapport à sa méthode parce qu'elle se renouvelle souvent, cette équipe de France féminine. Il arrive toujours à trouver de nouvelles pépites et des filles qui sont bien préparées physiquement. Bon, c'est un dur, hein, attention. Hein. Même si aujourd'hui il donne l'impression d'être un peu plus participatif, entre guillemets, c'est quand même un entraîneur très, très exigeant, très rigoureux. L'équipe de France s'envole la semaine prochaine au Brésil pour les prochains championnats du monde. Avant Sao Paulo, les filles se sont entraînées à Chartres. T'es dans la pub. Puis Paris pour un tournoi de préparation. Et face à la Tunisie, les Françaises ont mis une mi-temps pour trouver les bons réglages. Ensuite, les artilleuses ont accéléré le tempo, résultat une victoire nette 34-22. Le test du jour face à la Russie, championne du monde en titre, s'annonce plus compliqué. Ça va être difficile parce qu'on a vu que c'est vraiment à la fois puissant, expérimenté, rapide, avec de très très bonnes gardiennes. Mais on va au championnat du monde, hein. On ne va pas à un tournoi avec des équipes de deuxième niveau. Donc la Russie, je l'ai déjà dit, ça, c'est sûrement mon favori pour le mondial, mais on y va aussi pour faire de grandes choses. Donc c'est un match qui arrive à point pour nous. Olivier Krombols avance ses pions en vue du prochain mondial, avec les Jeux en ligne de mire. Toujours fidèle à lui-même, le grand Manitou du hand féminin n'est pas du genre à se renier. Est-ce que je suis macho? Je dois l'être un petit peu, oui, mais après, j'essaye quand même de me maîtriser et pas plus que ça. Dans la population française, je ne suis pas dans les pires.